We'll be right back.
Bonsoir. Question rituelle, est-ce que le son est bon? Hop, je me positionne, voilà, j'attends votre retour. Le son est bon, merci Gorgo Crisis, c'est super. Voilà. Donc, écoutez, comme je vous l'ai annoncé, ce soir, on va pas faire de la programmation pour une fois. Je voulais te dire merci pour tes vidéos d'apprentissage d'assembleur. Ah, Ziski, ouais, c'est clair. Elles sont très bonnes. Ce soir au départ, j'avais pas prévu ça, mais il se trouve que malgré ce long week-end, j'ai pas fait forcément grand-chose. Stream, salut, salut Manu. Et donc, j'avais prévu de faire un stream en basique classique pour une fois. Et puis en fait, mes exemples, ils commençaient à se faire, puis j'avais pas du tout les résultats attendus. Et donc, plutôt que de vous montrer de la prog qui marche pas, j'ai vu la CPC Retro Dev, 30 nouveaux jeux pour CPC en concours. Je me suis dit, c'est l'occasion de les montrer. Qu'après tout, finalement, moi je donne des petits trucs de programmation comme ça, des petits cours de programmation pour susciter l'envie quelque part. À tous de programmer. Et programmer des jeux, bien entendu, c'est souvent ce qui nous intéresse le plus. Après, bon, si vous avez envie de vous programmer une application de comptabilité, allez-y, hein, si c'est votre truc. Mais voilà, quoi. Et donc, ça fait depuis 2014 que l'université d'Alicante organise ça. Et moi, j'ai trouvé ça formidable parce que depuis 2014, c'est un concours, c'est open source. Ça impose aux jeunes de programmer sur des machines complètement dépassées et donc ça les pousse à vraiment à programmer du mieux qu'ils peuvent sur une machine qui pardonne rien. Hein. Donc voilà. Par rapport à ce qu'on a de nos jours où finalement les gens ils s'embêtent même plus, quoi. Pourquoi optimiser? Ça sert strictement à rien. Eh ben voilà, c'est un état d'esprit tellement différent, je trouvais que ça valait le coup d'en parler. Puis bon, accessoirement, ça me faisait un sujet tout prêt. Il fallait juste donner la peine de télécharger les jeux, quoi. Voilà. Eh oui, Ziz, t'as beaucoup suscité de passion de la programmation pour l'assembleur avec tes Amstrad chiant pour chiant. Voilà. J'ai toujours l'impression de ce qu'ils arrivent à sortir tous les ans. Ouais, c'est clair, hein. Salut Toto Cool. Voilà. Donc, on va pas faire beaucoup de jet chatting parce qu'il y a beaucoup de jeux à montrer. Et de toute façon, je pense qu'on pourra pas tous les voir déjà parce que il y en a beaucoup. Et en plus, certaines seront au format cassette, donc ça prendra un peu trop de temps. On va déjà se concentrer sur les versions de disquette. Et puis voilà. Donc là, hop, on commence direct avec un jeu qui s'appelle Final War. La guerre finale. Jeu plus optimisé à sa sortie car il faut maintenant des patchs correctifs. Hop. Alors là, je sais pas si le son est bon au niveau jeu, il est pas trop fort par rapport à la balance. La musique, pas forcément bien terrible, mais bon, c'est très grave. Il faut savoir qu'en fait ce sont des petits jeux qui doivent tenir dans les 64 kilo-octets, qui sortent dans un délai assez court finalement, qui viennent souvent de la part de gens qui connaissent pas forcément ces machines au départ. Donc bon voilà, c'est très bien. Donc voilà, c'est des petits jeux avec souvent des petits défauts. Et il faut savoir qu'ils n'ont pas le droit de le corriger le temps de la compétition. C'est-à-dire une fois qu'ils l'ont soumis, ils ne touchent plus le temps que le jury ait rendu son verdict. Alors, Irrigor, je pourrais pas montrer. Salut Dark Vador, je pourrais pas montrer tous les jeux. Hein. Mais là, moi, je suis déjà épaté par un petit jeu comme ça qui contient de la musique.
Alors après, oui, effectivement, c'est un peu dommage que le personnage soit orienté que d'un seul côté, mais bon. Hop là. Hop là. Mais bon, c'est réactif. Ah! Paf! Tableau fixe, ok. C'est... Faut être précis au pixel. Ah! Le jeu est réactif, mais moi non. Et voilà, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que ben, c'est des jeux, voilà, ils sortent comme ça, en l'état, et puis ensuite, ils peuvent être améliorés après le concours. Blah. Bon. Après, c'est le genre de choses qui te fait voir un peu les... Voilà. Bon, vous avez vu le concept de Final War. Allez, je vais terminer ce niveau quand même. Youp là. Voilà. C'est très propre côté animation, il y a de la musique, je le trouve cool. Pred qui va venir en premier. Peut-être. Salut Dead System. Bon, voilà. C'est bon, tu pourras. Il y a Papy Flion, je sais pas, il a répondu. Je lui ai posé la question. Non. Franchement, à l'époque, un jeu comme ça passe crème. Et on était... Oui, effectivement, ouais. C'est un peu des jeux âme soft, peut-être même plus rapide. Donc voilà, c'est le moteur de jeu MK1. Oui, tout à fait, effectivement, il y a quand même des petites astuces, des kits, des librairies qui aident à faire de ces jeux-là plus vite. Mais bon, on va pas leur reprocher d'avoir fait ça, quoi. C'est quand même bien. Alors là, c'est Roberto Elgoras. Bon, je vous cacherai pas qu'il m'a un peu déçu. On va le montrer quand même. Petit title screen sympa. C'est marrant, quoi, pour un petit jeu comme ça, de mettre un title screen. Voilà, c'est quand même du boulot en plus. Alors, press 0 to start the game. Oh. Ah, j'aime pas trop ces fonts. Ah, voilà, c'est le 0 de le... Pas du pavé. Ouais, voilà. Donc là, pour l'instant, c'est rigolo. On voit le joli camion et tout ça. Et puis après... Voilà. C'est là que ça devient... Un peu décevant. Vous voyez très bien de quel jeu ça s'inspire. Bon. Voilà, vous m'avez compris. Oh, un tuyau. Et mon personnage voilà, il descend. Oh. Il ramasse ça. Oh, il a du extra time. C'est génial. Et il remonte. Ouais, non, un Sonic, ouais. Oh, il est mort. Un Mario, ouais. Bah, je sais pas. C'est juste. Bon, voilà. Vous m'avez compris. J'étais un peu déçu de celui-là. Parce que autant les débuts, ça avait l'air sympa. Et puis après, bon, voilà. Bon, dommage. TLB, c'est quoi déjà celui-là? Parce que je me rappelle pas des noms des disquettes. Des fois, il y a des problèmes avec les noms de disquettes, les noms de programmes et les noms de jeux, ça correspond pas. Alors, one for credits, two for controls et space to start. Alors, je vais définir. Je veux redéfinir les touches. Jibbe, pense à toi. Hop. Bah oui, bah après, hein, voilà, hein, chacun son niveau, hein, c'est... Alors, Zmika needs your help to prepare the potion. Regain the ingredient and defend her while you... D'accord, bon, en gros, on cherche une potion et...
You got the slime drool. Ah, c'est marrant. Drool, c'est de la bave. Et slime, c'est de la bave. C'est bizarre. Hein. Il réaffiche peut-être tout l'écran. Ouais, voilà. C'est. Oui, c'est mignon. Ah, ah, dada. You got the bonheur. Le bonheur? Je suis pas sûr qu'ils aient bien traduit. Le concours impose un temps limité pour faire ce jeu. Oui, il me semble, ouais. Ah oui, en tout cas, oui, il me semble qu'il y a un truc du genre, tu peux pas. Tu peux pas monter un jeu qui a été fait il y a 3 ans, quoi. Il doit être sorti pour ce truc-là, quoi. Pas. Voilà. Bon, c'est un petit jeu qui est sympathique. TLB, bon. Je sais plus ce que ça veut dire exactement. Alors, One for Credit, on va faire les crédits quand même. Par Eric Aylon, Vicente Beiza et Clara Gonzalez. Ah, c'est un concours espagnol. Bon, c'est pas mal, hein, pas mal du tout. Alloy Box. Tu peux préparer en amont et sortir le jour J? Oui, effectivement. Ils ont combien de temps? Bonne idée, bonne question. Je me rappelle plus de quel temps, mais bon, c'est. Alors, c'est un jeu, c'est un G-Soft, hein, donc c'est quand même des professionnels. Ouais, déjà une belle petite musique. Bon, je vais mettre le casque du coup pour en profiter un peu. Press Escape to set the controls of fire to start the game. Je crois qu'on peut y jouer au joystick. Voilà, donc ça, si j'ai bien compris, c'est un jeu d'infiltration. Oula. Mais je dois vous dire que j'ai pas compris comment on faisait pour être discret dans ce jeu. Ouais. Un projet tous les 3 ans. Et le Dark Vador. Bon. Alors je vais essayer de voir comment on fait pour être discret. Ouais, c'est pas mal pour du CPC quand même. Après, ça serait bien si je comprenais un peu le jeu, quoi. Parce que si j'ai bien compris, on est censé fouiller des caisses. Mais je sais pas comment on fait. Je sais pas où les trouver. Ah. Ah, bien. Ah oui, là, le petit bonhomme, c'est un truc du jeu Super Cold Drone. Et en fait, s'ils intégraient des images de Super Cold Drone, ils avaient des bonus, en fait, pour la note finale du jeu. Scrolling hard, techniquement c'est plutôt solide, surtout le scrolling multidirectionnel, ouais, tout à fait. Donc voilà, franchement, CNGSoft, beau jeu, hein, c'est pas mal. Bon, après, il faudrait que je lise un peu mieux la doc et que je comprenne un peu mieux le principe du jeu. Mais voilà, c'est pas un scrollard. Oui, bon, après, peu importe. Hein. C'est pas la technique à elle seule qui compte, hein, qui fait le bon jeu. Alors là, c'est un autre jeu qui m'a bien plu. Automove. OP espace Enter. Le premier qui me dit que ça casse pas des briques, qui sort. Ouais, tous les ans, il y a un casse-briques en fait. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, l'an dernier, il y en avait un qui était sorti en pur basique. Et voilà quoi. C'est un classique mais n'empêche, il est très bien réalisé. Hein. On va passer le premier niveau.
Ouais, un hommage au Balkany, ouais, exactement. Ouais. Je l'ai faite sur 100% Amstrad CPC, le groupe de Titan. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est un joli petit casse-brique, quoi. Franchement, il n'est pas original, mais voilà, il est. Je l'ai trouvé très bien. Oui, effectivement, bon, avec une jeu musique sympa, ça aurait été mieux. Mais bon, faut pas non plus. Voilà, Dauntless. Alors, attendez. Il y a quelque chose qui me choque là. Ah, vous voyez? Je ne sais pas comment ils ont généré les disquettes, mais il y a certaines disquettes, il y a un caractère souligné, et ça, c'est pas bon du tout, quoi. Parce que c'est un caractère qui n'est pas géré en AMSDOS, donc je ne sais pas comment ils ont fait ça. Alors du coup, je suis obligé d'utiliser l'émulateur pour corriger cette erreur. Il me semblait l'avoir déjà fait en plus, l'underscore. Je pense qu'ils ont utilisé des scripts pour construire automatiquement les DSK, et bon, mais ils n'ont pas forcément pris la peine de tous les tester. Alors là, voilà, c'est un jeu Don't Get Hit. En gros, c'est un peu l'inverse d'un casse-brique. Hop là, vous voyez, ça va très vite. Alors, déjà, il faudrait que je me rappelle la. Alors, press ESC. C'est quoi les touches? Mais je me rappelle même plus des touches à ce jeu. Oh là là. Mais ah, ça doit être ça. Excusez-moi. Faut pas être cardiaque avec ce jeu. Hop. Ouais, c'est très très speed. C'est un jeu tout simple, mais. Une fois qu'on a pris le coup, vous allez voir, c'est assez marrant. Ah, il y a un petit bug. Et la musique évolue. Bon, après, une fois qu'on a pris le coup, je pense que ça va. Mais bon. Non, c'est intéressant, hein, TSM. C'est juste un coup à prendre, quoi. Et en fait, ouais, elle est assez tolérante, la Xbox, je suis d'accord. Mais oui, voilà, c'est pas mal comme jeu. Et donc, vous voyez, là, il y a un truc que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'à partir du moment où on intègre le fait que c'est un hommage à la fin de carrière de l'Amstrad, en disant, voilà, Amstrad CPC 464, carrière terminée en 90 et tout ça, ben en fait, là aussi, il gagnait des points automatiquement pour le classement. Donc voilà, c'est une idée originale, je trouve. J'ai trouvé ça vraiment rigolo, sympa, quoi. Alors, ECS, c'est quoi déjà celui-là? On va faire vite. Destroy them all. How to play. 2. Press 5 to release a fireball and destroy them all. Eh ben, dis donc. Press 3 to return the new. Ok. Bon, ben, si vous avez connu le jeu Bombardier en basique, ben, le voilà. Ils ne se sont pas foulés quand même. Bon. Ben ouais, Ziski, je suis d'accord. Mais bon. On peut participer, oui, tout à fait. C'est pas réservé aux Espagnols, hein, loin de là. Hein. Voilà, You Won, et vous voyez encore l'hommage au CPC. 1900, ouais, en fait, pour les Espagnols, la fin de la période CPC, c'est 1993. Et donc, en fait, ils estimaient que 2023, c'était le 30e anniversaire de la fin de la carrière du CPC.
Voilà. Bon, c'est pas folichon ce jeu, on est d'accord. Alors, voilà un jeu moi qui m'a beaucoup plu. Même s'il ne faut pas forcément s'arrêter au seul graphisme. Alors, hop, 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 difficulté normale. Et un start game. Donc là, vous voyez, en fait, ce jeu, c'est un Zelda-like. Hop, une map avec des donjons. Alors normalement il y avait une touche pour rentrer dans les donjons. C'est quoi déjà? Oui, ça compte les graphismes, mais bon après on peut pas forcément tout faire du premier coup. Ah. Excusez-moi, je vais redéfinir les touches. Rebind controls. Up, down, left, right, user equip, inventory, exit. Bon, bah normalement ça doit marcher ça. Voilà, donc je dois trouver une pelle et la sortie. Donc là il y a des interrupteurs, des passages à sens unique. Et si je me mets bien en face. Je passe, après je peux plus revenir. Ah. Alors, vous noterez que les sprites ont quand même un défaut, ils n'ont pas de masquage. Ça, c'est un peu dommage. Mais voilà. Ouais, c'est pas le jeu à faire quand on est au régime parce qu'on bouffe beaucoup de pizza. Aïe. Je reviens en arrière, et mince. Ah bien, je n'étais jamais allé aussi loin. Et j'ai trouvé la pelle. Alors par contre, le problème, c'est que c'est bien gentil d'avoir trouvé la pelle, mais faut pouvoir sortir maintenant. Bon, voilà, vous avez compris le principe. Ah non, mince.
Ah, je suis mort. Ça rappelle tellement des jeux de type Chips Challenge. Voilà. On peut proposer des graphiques, je suis certain que ce sera le premier. Oui, tout à fait. Voilà. Bon, en tout cas, moi ça m'a bien plu ce jeu. On pourrait y passer plus de temps encore. Après, il aurait mérité de meilleurs graphismes. Alors ça aussi, c'est Forms. C'est un jeu qui m'a beaucoup plu. C'est un jeu de logique. Mais bon, voilà, c'est un truc assez simple. Alors, press S to start. Attendez, j'aurais dû redéfinir les touches. Alors, left, right, up, down. Alors le but c'est de faire des lignes, vous l'aurez deviné, et de ne jamais remplir la grille. On ne peut pas tourner les pièces par contre. Tout à fait, ouais. Ça ressemble bien à la Master System, je trouve. Bon, là, je joue un petit peu n'importe comment. Je suis en train de me bloquer tout seul. Aïe. Voilà, bon, vous avez compris le principe, c'est un jeu tout simple, assez prenant. Je pense sincèrement que ça ferait un excellent jeu pour un concours de GRS12. Vous pensez pas? Voilà. On va rester là parce que sinon on n'aura pas le temps pour voir les autres. Mais ouais, un petit concours GRS12 là-dessus, ce serait pas mal. Un jeu mobile sur CPC, ouais, c'est. Avec ton CPC mobile. Alors, Guard the Castle. Ah, mais en fait, il veut des fichiers SNR. C'est avec Winape, c'est pas très compliqué. Faut juste les faire exactement comme il veut, quoi. Alors, Q, A et espace. Bon, là, c'est peut-être pas le jeu le plus impressionnant, moi. Ouais. C'est le niveau tutoriel en plus, hein. Ah. Voilà, ouais, c'est même pas un Defender, c'est. Voilà, ça y est, le vrai jeu commence. Ouais, faut aimer le rouge. Ouais, tout à fait, ouais. C'est pas. Ouais, je pense aussi. Ouais. Bon, la vitesse s'accélère. Voilà.
Salut Dark Steph. Voilà, bon, on va peut-être pas s'éterniser sur celui-là. Voilà, bon, il y a quand même des graphismes mignons, quoi. Toujours dire quelque chose de positif, hein. Quand même. Salut Duruti. Little Devil. C'est un petit jeu sympa. Avec de la musique. Alors, on joue avec OP et Q. Et espace. Press B to back. Oui, alors. Vous voyez, en fait. Voilà. Donc, vous voyez, on a vite fait le tour de tous les niveaux parce qu'en fait, ils sont tous identiques. Voilà. C'est particulier comme concept. Ils ont des soucis avec les sauts. Ouais, un seul écran en boucle, ouais. C'est bizarre. Mais bon, j'ai trouvé ça rigolo. Hop là. Je suis mort. Ouais, c'est. Salut, on dit. Ouais, effectivement, il est bizarre. Mais bon, ça m'a fait rire. Un petit diable. Voilà. Ah, encore, c'est. Mais il me semblait que je l'avais corrigé, ces problèmes de underscore. Ça va être encore un bug de Winape, ça. Alors. Mister. Ah non, Duruti, c'est pas moi qui ai codé ça. Alors, AQOP, press enter. Donc voilà, je suis un démon qui doit manger les glaces du niveau. C'est original, hein, un démon qui mange des glaces. Voilà, bon, ça fait très jeu âme soft d'antan. Ouais, voilà, c'est Shrek en jaune avec des cornes, quoi. Ouais, c'est clair, Dark, je suis d'accord. Bon, vous voyez, c'est un peu toujours la même chose, quoi. Voilà. Mais bon, c'est sympa. Alors, un jeu qui est pas mal, je trouve. Nita. Salut Eric, t'es revenu. Un petit title screen. AQOP. Ouh, le curseur. Aïe. Vous voyez, je suis une petite fourmi qui va chercher des œufs de fourmi. Il y a des abeilles. Aïe. J'ai perdu. Oh, au troisième niveau. Oui, c'est du mode 2, hein, je me demandais ce que faisait ma chatte. Elle est en train de bouffer de l'herbe à chat.
T'as peut-être pas ça. Ah ouais. À propos de modération, j'ai vu quelqu'un qui annonçait que si on prononçait une certaine phrase sur Twitch, on se faisait bannir direct. Parce qu'en gros, tu disais une phrase qui sous-entendait que tu n'avais pas l'âge légal pour passer sur Twitch. Et automatiquement, tu étais banni, quoi. C'est assez dingue, je trouve, comme concept, mais... Et mince. Là, je crois que j'ai plus de vie. Voilà. Donc c'est Nita, un joli petit jeu. Je me souviens, j'ai trouvé ma première brocante, ça devait être un début. Ah, attendez, je voulais un peu. Pas mal, ça finira pas premier. Avec Space Armada. Génial les bots, il manque cruellement d'IA. La phrase contient le mot de notre croco et il a le bras long pif. Non, mais c'est clair que l'IA, ça devient un peu fou ce que ça fait. Mais bon, c'est un exemple qu'on m'a raconté en formation qui disait qu'en fait, on a longtemps cru que ce qui rendait les gens bêtes, c'était le manque de connaissances, le manque d'accès à la connaissance. Et en fait, ils disaient maintenant, avec l'accès à la connaissance qu'on a actuellement, bah, c'est pas possible, les gens sont toujours aussi bêtes, quoi. Et il disait, une fois, il est tombé en formation sur un mec qui était parfaitement convaincu qu'il était lui-même un reptilien. Et il disait, il y croyait pas, il disait, au début, il se foutait il pensait que c'était quelqu'un qui se foutait de lui, quoi. Et en fait, non. Donc, en fait, on était en formation sur des tests, le métier de qualifieur. Et il me disait, mais ne pensez jamais que les gens sont suffisamment intelligents pour pas faire telle ou telle bêtise. Non. Voilà. Ouais, voilà, exactement. Non, mais c'est un délire qui est venu des États-Unis. Et voilà, quoi. Ça... Les gens, ils sont tarés. Ils pensent que des extraterrestres reptiliens dirigent le monde. Voilà. Bon, bref. Donc voilà. Bon, pareil, il n'y a pas les graphismes du siècle, mais voilà quoi. C'est pas Smash TV non plus, mais... Là, c'est un niveau bonus, ça. Ah, je mens. Voilà, Nuke Bug. Je me demande si j'avais pas vu un Mario Bros même testé par Michel Louvet dans Old School. Oui, possible. Bon, en tout cas, voilà. Firebug est sympa. Il disait, il manque de tir. Oui, et encore, on peut tirer en diagonale et tout, c'est quand même pas mal. Nukebug. One Wonder, si mes souvenirs sont bons, il est sympa. Ah, encore ce problème d'underscore. Je veux faire F2 pour renommer, mais non, c'est... Salut, Comenor. Alors, let me introduce myself, let me indicate, I am a sorcerer apprentice, but I don't have enough power to cast the spells yet. To grow as a magician, I should learn to be as swift as the wind first. Or that is what my master told me.
Ok, donc voilà, je me déplace avec AQOP. Voilà, et je dois éviter les tirs. Voilà, donc je suis un apprenti magicien avec son chapeau pointu. Bon, je vous cache pas que c'est un jeu très simple. Vous voyez, je passais le premier niveau. Blablabla, allez. Je l'ai fi... Wouah, c'est pas moche. C'est un petit jeu comme ça fait pour la... Le CPC Retro Dev. Voilà, il est pas trop mal. Moi, je trouve que le sorcier, il est pas mal dessiné, quoi. Bah oui, alors... On aurait eu ça à l'époque, voilà. On aurait été content. Mais tout à fait, ouais, c'est ça. Ça a fait penser à sorcerie, ouais. Bon, après... Je vous cache pas qu'il est beaucoup trop simple. Je l'ai essayé, je l'ai fini au premier essai. Hein, donc, si on t'avait offert ça pour Noël, voilà. Alors là, c'est Paulina. Celui-là, c'est particulier. Hein. En fait, c'est un jeu, il est conseillé d'utiliser Retro RVM pour s'en servir. Parce qu'ils ont fait un choix technique très particulier. En gros, ils utilisent les encres clignotantes. Voilà. Donc, je ne l'ai pas encore testé sur un vrai CPC, parce que malheureusement, j'ai une petite config particulière. Voilà. Et donc, en fait, leur idée, c'est d'utiliser les encres clignotantes pour représenter une couleur différente. Mais bon, vous voyez, ça scintille, quoi. Et Retro RVM a cette possibilité de comment dire, de... Mince, attendez, excusez-moi. De faire ce qu'on appelle du color blending, et qui du coup quand ça scintille assez vite, il calcule une autre couleur. Utiliser ASDL, il y a un easter egg, vous voyez Rodoudou et Golem dans le même lit, ouais. C'est ça. Et sur un vrai matériel, apparemment c'est mieux déjà, mais voilà. Bref. Bon, on va lever la musique. Désolé. Je lance le jeu, vous allez voir. Bon, mais vous voyez... On ramasse des trucs. Je crois que j'ai oublié un truc encore. Voilà. Ah, je suis mort. Faut sauter sur la tortue. Voilà. On ramasse un objet. Alors là, vous voyez, si je vais trop loin. Ah, je meurs juste parce que j'ai touché la fenêtre du truc. Voilà. Donc là, je sais plus ce qu'il faut faire exactement. Il y a une manip à faire pour faire une potion. Je sais plus comment on fait. Ben, ouais, à voir. Je vais pas tester. Voilà. Et là, il y a encore un hommage au CPC qu'ils ont rajouté. Il faut faire la potion pour passer le mur, ouais. Ben voilà. Bon, bref. On va rester là. Mais bon, c'est une idée originale. Alors, Peral, c'est pas un jeu sur le fromage. Ouais, c'est écrit dans la doc du jeu, ouais, mais bon, excuse-moi, j'ai pas eu la patience de lire les 30 notices. Une fausse bonne idée, ouais. Ah, il y a un petit title screen. Alors, in English. Blabla, une petite histoire. Oui, il y a un fromage qui s'appelle Loupéral. Un fromage de brebis, il me semble. Exactement, Darkstef.
Dark Stuff, qui fait partie du jury de la CPC RetroDev et qui a été donateur au titre d'Amstrad 100% d'une certaine somme pour le concours. Au total, il y a eu pour 2 270 euros de prix. C'est quand même pas mal. Bon, on va passer l'histoire. On fait un new game. Alors, je ramasse les trucs. J'ai jamais vu un sous-marin aussi maniable. Non, mais c'est sûr. En même temps, qu'est-ce qui serait. Ouais, mais tu vois, Airwolf, un des défauts qu'il avait, c'était son ergonomie là, avec la chute, tout ça. Alors que là, ton sous-marin, il répond au quart de tour. Il n'a pas de gravité à la noix. Ouais, c'est clair, ouais. Un peu trop gros, ouais, mais bon, voilà, c'est ça qui fait un peu Et voilà! Fact that coinciding with the launch of this game. Et voilà, encore un petit tournage pour gagner des points. On dirait un gros suppositoire. Bon, après, au fond, il y a quoi? 9 écrans de jeu, hein, compte à rebours buggé, ouais, c'est clair. Ouais. Ben voilà, quoi. Peral, jeu très sympa. Alors. Vite, parce que l'heure tourne quand même. Plaga. Mais ouais, je trouve sympa. Alors, Evita la muerte, corre los tesoros. Eh ben d'accord, hop. Ouais. Bon. Ok, on va pas s'apesantir. C'est un début. Bon, c'est le genre de petit jeu qu'on avait en listing, voilà. Ouais, facile. Hop. Ouais, il tisse dans les trous. Ouais. Retromancer. Tac. Retroman. C'est le super héros du rétro. Select level à Shop du Royal. Ah ouais, voilà. Ah voilà, donc en fait, c'est un jeu où tu fais en haut ou en bas, et tu dois faire un tir bleu ou un tir rouge en fonction de l'ennemi que tu attaques. Ouais, voilà ce que tu dis, c'est plus select level. Voilà, donc pour les trois de gauche c'est haut et tous les trois de droite c'est P, donc faut retenir quoi. Donc on voit que celui du milieu.
Voilà, il y en a qui sont sensibles aux deux. Il n'y a que la distinction, là, ces espèces de monstres bizarres à trois yeux là, dedans, là, il faut du O et l'autre c'est du P. Voilà, bon, allez, on va y faire Q. Ah mais d'accord, j'ai pas passé le tutoriel donc je peux pas, super. Effectivement, c'est un Metroid. Je me disais bien que j'avais déjà vu ces. Personne ne connaît Daniel Brühl. Ouais. Bon voilà, c'est pas trop ma tasse de thé. Ah. Pifion revient, d'accord. Ouais, pareil, je suis pas fan. Alors, Shadow Maze. Oh, finalement, on avance pas mal. Ouais, je vais peut-être déborder un peu. C'est bizarre, il faut le rouge pour tuer l'ennemi bleu. Bah, oui, voilà. Alors, il a un très beau title screen, je trouve. Il est tout en basique? Ah, d'accord. Alors, AQOP. Donc voilà, c'est un jeu où on va avoir un labyrinthe se dessiner sous nos yeux. Et puis ensuite, ils vont éteindre la lumière. Et ce sera à nous de nous débrouiller pour atteindre la fin du labyrinthe dans le temps imparti. Donc le premier niveau est assez simple, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est un jeu en basique, hein. Il n'est pas super super réactif, mais voilà. Mais bon, il est bien. Et puis franchement, pour un jeu en basique, bravo. Un petit côté Summoners. Ouais, ça aurait sûrement plu à Pifion d'ailleurs. Qui est fan de Solomonski. Voilà. Bon, par contre, je vais pas vous faire ce niveau-là parce qu'il m'a l'air beaucoup plus dur. Bon, en tout cas, si c'est le seul jeu en basique, il n'aura pas trop de difficultés à gagner. Hop, 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 hop. Donc, on a eu Shadow Maze, Sheriff Duty. Il y en a deux autres, ah, d'accord. Mais AQOP espace. Voilà, un jeu de shoot sympa. Un jeu de duel de Far West. Bon, premier niveau facile, hein, c'est tutoriel quoi. Aïe. J'aime bien. Encore une fois, oui, les
sont des jeux développés très rapidement. Il y a des choses qui peuvent être améliorées par la suite. Mais avouez que pour un premier jet, c'est quand même pas mal. Voilà. Ah, et allez, encore un hommage à 1993. Pas mal du tout. Hop là, attendez. Donc, là, celui-là m'a un petit peu déçu. Il a un joli title screen, une intro assez impressionnante, donc set to configure, up, down, left, right, fire. Mais ensuite, ah pourquoi il me lance un PDF? Allez! Bon, c'est quoi ce bazar? J'ai redéfini les touches et il veut pas les gérer, cet imbécile. Oh là là. Et en fait, ce jeu, il m'a fait planter Winipe la première fois, et là, c'est la deuxième fois un stream qui me le plante. C'est fort, ça. Franchement, un jeu qui fait planter Winipe. Hein. Je suis désolé. Je pensais que c'était vraiment un coup de malchance, mais non, non. Oh putain, je suis mort! Alors, je lance le jeu. Hop. On lui laisse sa chance quand même, hein. Ah, attendez. Non, mais c'est normal. Non, il y avait le. J'ai dû relancer l'émulateur. Alors, attendez. Sugar City. Ben, tu sais, de nos jours, ça arrive que des fois des jeux qui paraissent à rétro dev, ben, ils s'en rendent pas compte, mais le jeu fonctionne pas sur un vrai ordinateur. Du drive. Ouais, vous voyez, je comprends pas là déjà ce qui se passe. Le scroll est horrible. Le scroll vertical est vraiment pas bon. Voilà. Donc, il y a de l'ambition, hein. Je le reconnais, ça, mais voilà. Mais ouais, voilà, ça va pas du tout, quoi. C'est pas bon, il y a. Là, on sait pas ce qui se passe, ça scintille. Non, non. Ouais, c'est raté. C'est dommage. C'était très ambitieux. Et en plus, normalement, il y avait un joli title screen. Je sais pas pourquoi il n'est pas apparu. Bref. On passe. Peut-être que c'est un problème de conversion de disquette à cassette, je sais pas. Mais ouais, comme tu dis, Mike, il y a du potentiel. Sweet and dark. Alors, c'est comment que ça se joue, ça? Voilà. Voilà, vous incarnez un petit gosse qui pour Halloween doit. Ah! Bon, voilà, c'est Frogger, mais en mode vénère.
Alors, Timmy's Limbo. Ouais, voilà, c'est clair. Alors, celui-là. Voilà, donc ça, c'est un jeu particulier parce que on utilise les quatre flèches pour tirer dans toutes les directions. Et ensuite, on a Q, S, Z, D pour diriger le personnage. Et on doit buter l'ennemi pour sortir du niveau. Bon. Clairement, ça manque un petit peu de variété. Mais voilà. Oups là. Mais c'est qui? Non, c'est pas injouable. Par contre, il y a des ralentissements qui sont assez désagréables quand on tire. C'est dommage. Voilà. J'ai bien aimé le fait d'avoir quatre touches à gérer sur chaque main, quoi. Top Goal. C'est un jeu qui se joue à deux. Ah, du jeu 1 contre 1 au foot, quoi. Donc, ça se joue avec JLI et ADW, enfin QZ et D sur une AZERTY. Voilà, hop là. Ah. Voilà. Voilà, le premier qui marque 80 points a gagné. Tu peux sauter? Ah mince, pardon. Voilà, attends. Vous savez ma passion pour le foot. Mais bon, c'est sympa, c'est un petit jeu sympa. Watch out. Ah ben c'est bien, on les aura tous faits à part ceux qui sont en cassette. C'est un jeu. En fait, on incarne un pompier qui va sauver un petit chat. Bonsoir, Retro Player. Voilà, bon, c'est un jeu, on en a vite fait le tour, hein, je suis d'accord. Et puis la musique est un petit peu pompante. Alors, hop, et le dernier, Watch the Rock. Ah bah c'est bon, on déborde pas trop en plus, c'est cool. Bon, celui-là, il m'a déçu.
Je vous avouerai que j'ai pas cherché trop à comprendre comment on y jouait. Parce que là, vous voyez, j'ai beau appuyer sur espace, ça fait rien. Je perds de la vie, et puis c'est tout. Oui, il faut battre les monstres. Je veux bien Dark Steph, mais comment on fait? J'appuie sur espace et il se passe rien. Et tu peux tirer avec quoi? Ah, ça y est, ouais, super. Comment on tire? Ah, c'est I, Enter. Tu débarques là, tu... Ouais, ben voilà, ben écoute. Ah oui, voilà, ça marche au joystick. Ah, c'est génial, ça marche avec AQOP espace, mais... l'espace donne rien. La flèche, elle est plus grosse que la tête du gars, quoi. Ouais, Zelda-like. Radio Suicide, bonsoir. Ah, puis il faut changer de musique là, c'est pas possible. Mouru. Ouais, non, c'est clair. Ouf. Bon, ben du coup, on a fait le tour. Je vais en profiter pour vous montrer un petit truc que vous avez peut-être vu si vous êtes sur le groupe Facebook Amstrad.eu ou sur le Discord. Hop. Voilà. Donc c'est avec la technologie des split raster, ça permet d'avoir sur un dessin en mode 1 plus que 4 couleurs. Avec une gestion du tramage pas trop mal. Ben, vous voyez, MacDess avec l'aide du programme de Démoniaque, il a pu réaliser ça. Et donc remerciements à Borou, à ST et... Qui déjà, excusez-moi. J'ai oublié un troisième nom. Tic, 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 tic. Tic, tic, tic. Attendez juste. Et Chris, voilà. Mon graphe privé, j'avais voté depuis Amsius. Ouais, ok. Voilà, bon ben en tout cas voilà, je voulais faire un petit coucou à MacDess. Et voilà, donc il n'y a pas, comme j'avais pu le dire au tout début, de page flipping pour avoir des couleurs un peu particulières. Non, non, ça c'est sur d'autres dessins qu'il a déjà fait avec cette technique. Là, c'est juste des split raster. Et donc c'est avec un logiciel qui s'appelle Split Editor que j'espère Démoniaque pourra sortir bientôt. Voilà. Bon, ben sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et donc, normalement, la semaine prochaine, on fera du basique. Du vrai basique et pas du G basique. Sauf surprise. Parce qu'il y a
quand même pas mal de choses super en ce moment avec UG Basic. Par contre, je m'aperçois j'ai oublié d'enregistrer le stream, donc je vais le poster directement depuis Twitch sur YouTube, et puis voilà. Et il n'y a pas de raid parce que ce soir, il n'y a pas de stream de Noix de Croco. Voilà. Bon, mais sur ce, je vous dis bonne soirée tout le monde et à la semaine prochaine. Salut!